Salut à tous, c'est Louis et bienvenue sur Undead Pixel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Lion Earth, c'est une exclusivité Amiga, sorti en 93, conçu et distribué par Talion, une boîte allemande. Alors je peux vous assurer que ce qu'on vient de voir est un véritable tour de force technique pour l'époque. Je le rappelle, on est sur Amiga 500, 1 méga de RAM pour faire tourner ce jeu à sa pleine puissance. Donc là, c'est la suite de l'histoire qu'on peut retrouver dans le manuel, une histoire de plus ou moins 4 pages, qui nous explique un petit peu l'univers, ce qui se passe un petit peu, dans ce qu'on doit faire, voilà. Donc on est Valdin qui doit récupérer une amulette, une pierre précieuse qui a été volée par des méchants pas beaux. Et au passage, il y a sa copine qui s'appelle Hélène qui s'est fait pétrifier et on doit récupérer une plante qui pourra la sauver. Voilà. C'est un petit peu bateau, mais bon, voilà quoi. Et là, mon pauvre dragon qui s'est fait capturer. Donc du coup, je dois me taper tout le chemin à pied. Et ça, c'est pas cool. Allez, Valdin, dépêche-toi. Écran titre du jeu. Alors, comment c'est le jeu? Option, introduction, info. Introduction, c'est pour revoir la cinématique. Et dans info, on peut avoir des infos, voilà, du jeu et des développeurs. Et ici une petite, un petit message, donc si vous aviez copié Lion Earth, c'est votre décision, blablabla. Donc ne pas copier ce jeu. Il y avait une philosophie Amiga à l'époque, voilà, c'était l'arrivée des consoles. Et soit on restait sur Amiga, on se faisait copier et enfermer sa boîte, ou soit on se faisait pêcher par les chasseurs de tête de l'époque, et surtout par Océan, et on se tournait vers la Super Nintendo ou la Mega Drive. Dans les options, nous avons la difficulté normale, Hard ou Lion Hard. Et Lion Hard, c'est le même jeu, mais avec quelques subtilités en plus. Le sound test pour écouter la musique, joystick de bouton. Voilà, je vais démarrer le jeu. Alors, temps de chargement, comme d'habitude. Hein. Je vais arrêter de le dire. Je peux pas m'empêcher de le dire. Donc voilà, premier niveau, les marécages. Ah là là, quand j'ai vu ce jeu la première fois, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas de l'Amiga, c'est trop beau. Et pourtant, on est bien sur Amiga 500, donc la toute première génération Amiga qui ne nécessite que d'un seul petit méga pour tourner convenablement.
Et là, vous pouvez voir les graphismes absolument somptueux pour l'époque, l'effet de l'eau, la petite distorsion dans l'eau, c'est absolument incroyable. Le scrolling parallaxe, là, vous pouvez voir en haut pour les nuages. Voilà, et surtout l'effet de distorsion, là, qui a fait l'unanimité auprès des journalistes de l'époque. C'est un petit peu une sorte de mode set fait maison. En fait, ce sont tous des scrolling, ce sont tous des colonnes de scrolling qui de la taille d'un pixel, donc qui donnent un effet de profondeur, et ça c'est absolument incroyable. Pour l'époque, alors je vais parler un petit peu du gameplay de Valdin, le héros que vous incarnez dans ce jeu pour récupérer la pierre précieuse dans le monde de Norka, qui a été dérobé par un vilain méchant pas beau et qui peut au passage a pétrifié votre belle qui, comme par hasard, se trouvait là au moment du drame. Donc on peut donner des coups d'épée comme ceci, vers le haut, vers le côté, des coups de pied aussi, on peut se retourner, regardez ça, c'est vraiment magnifique pour l'époque. Le sprite, l'animation aussi, quand on est sur le bord, donc voilà, c'est vraiment une grosse claque pour l'époque. Alors le coup le plus puissant du jeu, c'est l'attaque en piqué, un petit peu comme dans Zelda 2. Je pense toujours à Zelda 2 pour ça, parce que c'est la première fois que j'ai vu ça, donc voilà, ça c'est le coup le plus puissant. On peut donner des coups d'épée aussi en sautant, comme ça, donc c'est vraiment, vraiment incroyable aussi au niveau de la maniabilité, le héros se manie avec une perfection incroyable, voilà, donc c'est vraiment du caviar, c'est génial. Donc là vous pouvez voir le scrolling parallax, comme on dit, je dis scrolling parallax, mais non, ce sont des parallax, voilà. Bon, je suis pas très fort en termes techniques. Et voilà, un petit passage secret. Donc là, j'ai attendu un petit moment pour que le scarabée arrive. Alors, comment savoir qu'il y a un scarabée à ce niveau-là? Eh bien, il faut regarder un petit peu les décors. Vous voyez que là, il y a du lierre. Donc forcément, c'est pas là par hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Et pour arriver à la fin du jeu, moi, je vous conseille fortement de chercher après tous ces petits passages secrets. Car vous devez récupérer des triangles, vous voyez là, sous la forme du logo. Du logo de la boîte qui a fait le jeu, donc Talion, qui est une boîte allemande. Et ces petits diamants vous permettront de récupérer de débloquer les cœurs que vous voyez là en haut à gauche de l'écran. Et pour cela, il faut en récupérer 100. Donc absolument indispensable si on veut terminer le jeu, parce que je vous jure que ce jeu, ça fait partie de l'un des plus difficiles sur Amiga. Mais bon, c'est une légende, moi. Franchement, moi je trouve pas si difficile que ça. Pour peu que vous assigniez le bouton saut sur un autre bouton, car le bouton saut à l'origine c'est vers le haut. Et franchement, ça c'est un peu la merde. Donc là vous pouvez voir, on peut s'accrocher, on peut monter sur les cordes. Voilà, pour trouver les passages secrets qui cachent des triangles, qui cachent des vies, qui cachent des potions aussi qui vous permettront de regagner de la vie. Donc ce jeu est absolument magnifique. Avec des séquences de plateformes à l'ancienne, avec des petites énigmes parfois qui vous demanderont un petit peu de réfléchissement. Super le terme français. Et il y a aussi des passages un petit peu frustrants, voilà, des passages où il faut vraiment millimétrer les sauts. Alors fort heureusement, les sauts sont dosables à volonté, c'est vraiment excellent. À ce niveau-là, aucun défaut. D'ailleurs, dans ce jeu, je crois pas qu'il y ait de gros défauts, même au niveau des chargements qui sont quasi inexistants, quoi. Je veux dire, on n'attend pas plus de 10 secondes avant que le jeu commence. Et si vous avez vu mes tests de Mr. Nut, de Fatman, qui sont des jeux tournant sur Amiga 1200, voilà quoi. Donc là, vous voyez, j'ai passé le niveau et voilà, pas de chargement, rien du tout. Alors les sprites, regardez ça, c'est vraiment magnifique, l'araignée, l'animation est vraiment géniale. Alors ce jeu a été conçu par des Allemands, par une bande de potes, qui avaient une grosse philosophie Amiga, une philosophie de geek. C'était un petit peu la guerre entre l'Atari et l'Amiga. Mais dans les années 90, oh là là, j'arrive pas à parler. les consoles Super Nintendo et la Mega Drive surplombaient le marché. Et soit on restait sur Amiga avec sa philosophie Amiga,
sa philosophie de geek et enfermer sa boîte dans l'année, ou soit voilà, qu'on pliait sous la demande de la Super Nintendo et de la Mega Drive pour faire des jeux. Et voilà, donc il y avait deux écoles. Italion fait partie des hardcore néophytes de l'Amiga, si je puis dire. Et voilà quoi, aller sur des consoles, c'est un petit peu hérétique. Oh là là, mais je dis n'importe quoi, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, je me retrouve dans les marécages une fois de plus. Alors là, petit passage secret. Je vais essayer, il faut prendre de l'élan. Hop, je saute. Ah, j'y suis arrivé. J'y arrive une fois sur deux. Et là, j'y suis arrivé. C'est génial pour le test, mais c'est vraiment impeccable. Quoi demander de plus? Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, pas mal de gens, de membres de cette boîte se sont tournés vers la Super Nintendo. Car voilà, il fallait faire de l'argent, quoi. Grâce à Océan, qui était un véritable chasseur de tête à l'époque. Océan fouillait un petit peu dans le catalogue de l'Amiga, de l'Atari ST, pour dénicher les perles rares. Et les principaux membres de Talion se sont tournés vers la Super Nintendo, surtout la Super Nintendo, et ont développé des jeux comme Turrican, Chaos Engine, qui sont devenus de très bons jeux. Voilà, donc Lion Earth faisait partie de l'un des derniers jeux de la boîte, qui bien sûr a été copié. Faut vous dire qu'à l'époque, il y avait un copieur par processeur d'Amiga, donc forcément, la boîte a fermé dans l'année, et c'est un petit peu dommage, voilà. Donc il y a eu un remake de ce jeu, sorti sur PC. Aïe, j'ai perdu. Je perds jamais dans ce jeu. Il y a eu un remake en 2005 de ce jeu sur PC. Je l'ai pas testé, je l'ai pas encore vu. Mais bon, voilà, moi je préfère rester sur l'authentique, privilégier l'authentique. C'est magnifique. Ah là là, j'ai perdu. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais essayer au moins d'arriver jusqu'au premier boss pour vous montrer un petit peu la grosseur des sprites. Là aussi, c'est bluffant pour l'époque. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a en tout une... Attendez que je dise pas de bêtises. Il y a 4 niveaux dans les marécages. Il y a 2 niveaux dans la ville. Il y a 3 niveaux, si je n'ai pas de conneries, dans le volcan. Et après, je ne sais plus. Je l'ai terminé hier, ce jeu, en fait. Et je peux vous dire que le boss de fin, c'est excellent. Franchement, c'est une tuerie. Il faut y jouer. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais il y a 2 fins différentes dans ce jeu. Attention ici, pas faire de conneries. Il y a 2 fins différentes dans ce jeu. Vous devez retrouver l'amulette qui est gardée par le méchant magicien. Je sais pas trop ce que c'est. Une espèce d'alien. Là j'ai un petit peu spoilé, désolé. Voilà, donc on doit récupérer l'amulette et on doit aussi trouver une plante qui vous permettra de sauver votre bien-aimé, Hélène, qui se trouvait là au moment du drame. Quel conne. Voilà. Et si vous ne trouvez pas cette plante, vous pouvez passer à la fin du jeu et vous ne verrez pas la vraie fin du jeu. En tout cas, vous ne verrez pas l'une des 2 fins du jeu. Voilà. Donc il y a 2 fins différentes. Là, je joue sur le mode normal. Et le truc aussi, c'est de jouer au mode Lion Herd, qui change complètement le design. En tout cas, le level design du jeu. Les ennemis sont un peu plus difficiles à battre aussi, donc voilà. Donc là vous pouvez voir pas mal de passages secrets qui sont vraiment indispensables pour terminer le jeu. Si vous rushez comme un fou pour passer le jeu le plus vite possible, voilà, vous n'y arriverez pas. Et là on peut voir plein de petites scénettes, les monstres qui vous foncent dessus, qui glissent, qui essayent de vous attraper. C'est vraiment génial, voilà, ce jeu je l'adore. Je dois quand même avouer qu'à l'époque, je l'ai pas trouvé super, parce que bon voilà, moi j'étais tout jeuneau, hein, j'avais 13 ans, et il me fallait de l'action, il me fallait de la rapidité, des scrolling qui partent un petit peu dans tous les sens, un petit peu comme le jeu Zool sur Amiga que je vous présenterai très certainement, car il s'agit aussi d'un grand classique de l'Amiga. Et ce jeu, moi je le trouvais un petit peu mollasson, un petit peu ouais d'accord, il était super beau, mais voilà quoi. Et franchement, moi je l'ai redécouvert ici
grâce à quelqu'un qui m'a proposé de faire le test. Je me souviens plus. Monsieur Vaseline. Ouais, voilà. Et donc Monsieur Vaseline m'a dit ouais, tu devrais plutôt faire des tests du genre Lion Earth, qui est quand même un super jeu. Voilà. Donc voilà le test, Monsieur Vaseline. Donc là vous pouvez voir le niveau marécage qui est super long, c'est l'un des plus longs du jeu. Et je vais essayer de... Aïe, 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 voilà. Donc là, je dois pas foncer trop vite. Prendre bien mon temps pour monter et attaquer cette plante à la con par le haut. Voilà, donc en fait dans le jeu... Ah putain, la première fois que vous y jouerez, vous allez perdre souvent. Parce que c'est un gameplay assez, assez particulier. Mais dès qu'on le maîtrise, c'est... Voilà, qu'on s'amuse vraiment. Moi ce jeu... Je compte le refaire plusieurs fois en mode difficile, en mode Lion Herd, que je vous montrerai sûrement à la fin du test. Alors là, je vais essayer de monter le plus vite possible, je vais pas perdre de temps à essayer de les attaquer, voilà. Aïe, je l'oublie tout le temps, cette fleur. Ah, cette maniabilité, franchement, elle est excellente, le héros répond au doigt et à l'œil. Ah là, c'est sac à merde, là, c'est sac à mouche. Les sacs à mouches à merde qui vous attaquent. Les mouches là, c'est vraiment de la saloperie parce que ça vous suit partout. Il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible. Vous voyez, là la petite mouchette, elle va me suivre. Je vais essayer de l'attaquer. Hop, voilà. Donc là, je crois qu'on est bientôt à la fin de mon niveau. Ne pas hésiter à bien fouiller les niveaux pour récupérer les vies, les points de talion, on va appeler ça. Totalement indispensable, je le répète, je crois que je me répète souvent dans ce test. Voilà, donc on y arrive bientôt au boss, encore un petit niveau dans les caves, avec encore les araignées là qui vous attaquent. Alors l'araignée, il faut faire très gaffe, voilà, il faut bien prendre son temps, toujours s'attaquer à la petite araignée en premier, voilà, j'ai perdu un tour, bol. Ne pas s'approcher de trop près parce que voilà, si elle vous lance la boule ici, elle vous attaque, elle vous touche directement. Allez, dépêche-toi, petite araignée. Alors les puissances de coups aussi. Ce coup, le coup retourné en fait est plus puissant que le coup normal. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Le coup en piqué aussi est plus puissant. Les coups les moins puissants, ce sont le coup normal et le coup vers le haut. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore sur ce jeu? Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Ce jeu est vraiment magnifique. Moi, je vous conseille fortement de le tester sur émulation Amiga ou le remake, hein, s'il est vraiment à la hauteur de ce jeu. Je ne l'ai pas testé. J'aurais dû le tester avant le test. Et je vais pas aller par là, parce que par là, c'est pour récupérer des potions. Je suis déjà full vie. Donc, ça sert à rien de perdre du temps. Voilà. Oh là là, j'ai parlé trop vite. Je vais quand même aller récupérer une potion, tout compte fait, voilà. Alors la potion, elle se trouve par là. Ouais, ce jeu, je le connais par cœur. En tout cas, dans son mode normal. Je le répète, car dans le mode Lion Heart, c'est le level design qui change de tout au tout. C'est un vrai labyrinthe. Ah oui, je récupère plein de trucs. Plein de triangles. Je ne savais pas qu'il y avait autant de triangles, parce que moi, je l'ai terminé. Quand j'ai terminé le jeu, j'avais pas tous les cœurs, et je perdais plein de fois. Voilà, je récupère une dernière potion, et maintenant j'y vais. J'ai pas envie que le test dure trop longtemps, parce que j'ai envie de vous montrer le mode Lion Herd, pour vous montrer les différences. Ah oui, j'ai pas parlé aussi. J'ai oublié un point important de ce jeu, ce sont les musiques qui sont vraiment excellentes. Ce mélange de samples de musique classique, de samples orchestrales et de chip tunes. Moi franchement, je suis client, j'adore vraiment l'aspect sonore de ce jeu. Les effets sonores aussi sont pas trop mal. Bon, c'est pas top quoi, mais c'est indispensable pour avoir les musiques et les FX en même temps. Voilà, parce que dans la plupart des jeux Amiga, il faut faire le choix entre les musiques et les sons, et là on n'a pas le choix, c'est vraiment les deux en même temps, et ça c'est génial.
Bon, on y est bientôt à la fin de ce niveau. J'espère que c'est pas trop long. Je ne sais plus quoi dire. J'essaye de meubler. Voilà. Bon, allez, dépêche-toi, petite araignée, que je puisse montrer le boss. Le boss qui tue. J'ai vraiment envie de montrer tout le jeu, même de faire un spoil s'il faut. Bon, pas tout de suite, hein, plus tard. Parce que j'ai d'autres trucs sur le feu. Oh là là, j'avais oublié qu'il y avait encore un niveau. Il y a encore un niveau dans les marécages. Donc là, un nouveau monstre tout dégueulasse qui vous lance des mouches. Alors, truc important aussi, c'est de bien maîtriser les sauts. Les accélérations aussi, avec les descentes et tout ça, pour qui vous permettent de sauter. Ce sera très important pour les derniers niveaux qui vous demanderont un timing de saut très très serré pour permettre d'arriver. Donc là, voilà le boss, je recule, ce qui me permet de l'attaquer plus facilement, parce que sinon si je rush vers lui, c'est plus difficile. Voilà. Alors il y a aussi plein de petites énigmes à découvrir, par exemple comment monter là-haut. Voilà, il suffit d'attendre là et de sauter très très vite. Voilà, sinon on retombe. Donc la première fois, vous allez perdre souvent, et c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que voilà, ça mérite l'exploration, parce que les graphismes sont absolument géniaux, et ça s'améliore durant le jeu. Hop, hop. Oui, je joue très très vite. Parce que j'y ai joué beaucoup pour ce test, je l'avoue. Je me suis entraîné pas mal de temps. Voilà, c'était un test que je voulais absolument réussir. Je voulais pas faire de la merde, vous montrer le plus possible de choses. Je vais arrêter de parler, de dire n'importe quoi. Oh merde, je dois encore attendre le scarabée là. Dépêche-toi, petit scarabée. Oui, je parle beaucoup à mon jeu. Quand je m'enregistre pas et que je perds, voilà quoi. Ça mérite le coup d'œil, ça mérite. Voilà, voilà. Peut-être qu'un jour je me filmerai à jouer à, je sais pas moi, à Doom 3 en mode Nightmare. Vous comprendrez ma douleur. Ah, il y a un passage super chiant ici. Oh, petit bug. Là, tout doucement, ne pas aller trop vite, parce que sinon c'est la mort. Il y a un passage super chiant ici, super long en fait, de débroussaillage de lierre, vous allez voir, c'est vraiment c'est lent, c'est chiant. Aïe, je me fais toujours avoir avec cette petite bestiole à chaque fois que je l'oublie. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, intelligence artificielle de monstre. C'est une trajectoire toute tracée, voilà, sauf certains ennemis. Mais bon, la plupart des ennemis, vous voyez là, hop, hop. Les ennemis m'attaquent pas. Voilà, passage chiant, mode débroussailleuse. Ça va prendre un petit temps, je préviens. Je vais pas aller en dessous, parce que c'est juste pour récupérer une potion. Allez. Donc là, voilà, si vous allez en haut, vous avez encore un passage secret avec plein de symboles de talion. Ah non. Tiens, où est-ce que je suis, là? Ah oui, oh là là. j'oublie des trucs. Voilà, c'est ici le passage chiant. C'est là que ça dure longtemps. Alors, je vais essayer de me dépêcher, quand même. Pour pas vous imposer ça. Allez, dépêche-toi. Récupérer la potion. Donc là, vous voyez, il y a encore plein de symboles cachés. Mode débroussailleuse en action, c'est parti. Alors oui, le sprite du personnage est absolument génial. Même si ça n'a pas grand chose à voir avec l'introduction, avec le scénario, parce que normalement on est censé incarner un espèce de lion. Voilà, donc je sais pas pourquoi il est devenu blond entre temps. Je sais pas pourquoi il arbore ainsi un magnifique juste au corps à la musclore.
récupère la vie cachée ici. Alors toujours une attaque en piqué parce qu'on sait jamais ce qui nous attend. Comme ici par exemple. Voilà. Alors ici je me plante une fois sur l'eau, je vais essayer de me concentrer. Parce que ça va très très vite. Attention. Voilà, c'était pas grand chose. Ah zut. Il ne faut pas oublier de faire des sauts sur place sur les plateformes parce que sinon on s'enfonce dans l'eau. Et on se noie. Et on se noie, oui. Ça c'est un truc dans le manuel, il y a une explication pourquoi le héros se noie alors que c'est un guerrier sans peur et sans reproche. Il y a une explication de facilement une page qui explique que sa race ne sait pas nager pour une raison, je sais pas quoi, enfin vraiment, la race des chats, enfin voilà, il y a vraiment une grosse excuse, ça m'a bien fait marrer ça. Parce que voilà, les... Oh merde, là, je dois encore attendre, donc là je dois stopper avec un coup d'épée, bon tant pis, je vais pas aller. Ouais, je trouvais ça marrant que dans le manuel il y ait une explication du pourquoi le héros ne sait pas nager. Bon, alors j'y arrive bientôt à la fin de ce niveau. Ça je dois faire gaffe à ça, on sait pas les tuer. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça nous sert à atteindre des plateformes. Donc là je dois attendre, à atteindre des plateformes inatteignables. Attention, hop. Ouh là là, j'ai failli me faire toucher. Oh merde, c'était tout juste. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ah d'accord. Ah ben ça je savais pas. Voilà, on s'est frappé sur la langue, ça disparaît du coup. Et du coup c'est la merde, je sais plus aller en haut, mais tant pis. Je sais plus ce qu'il y avait, des vies forcément. Ah merde. Ah non, je suis obligé d'aller là-haut. Et ça revient plus, super. Alors là, ben, j'ai pas d'autre choix que le suicide. Voilà, il y a pas mal de phases comme ça dans le jeu qui vous obligeront à réfléchir pour ne pas faire de bêtises. Ah merde, c'est pas vrai. Attention, concentration ici. Ah bah voilà, il me suffisait de faire ça tout simplement. Voilà, on y arrive. Alors je pourrais aller là-haut, mais je vais pas y aller. C'est pour récupérer encore des pièces de talion. Attention, hop. Il y a aussi les sprites. Regardez, là si je glisse tout doucement ça fait ça, si je glisse rapidement j'ai les cheveux au vent, donc c'est vraiment le souci du détail quoi. Attention là, premier boss, et ça c'est un gros truc chiant dans le jeu, c'est qu'en plein milieu du jeu on vous demande de changer de disquette. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors Lionheart disquette 3. Voilà, ça dure pas longtemps. Petit chargement. Et voilà le premier boss du jeu qui n'est pas vrai, enfin qui n'est vraiment pas difficile pour peu que l'on comprenne bien ce qu'il faut faire. Alors ici je dois tout simplement le frapper, éviter les œufs. Voilà. Et dès qu'il se met en position d'attaque comme ça, il va me lancer ces espèces de petites bestioles que je dois stopper pour grimper sur son dos. Ce qui me permettra de frapper sur la boule ici qui va... Voilà. Là, sur la boule qui pousse, là. Donc voilà, pas très difficile. Il y a des boss qui vous donneront du fil à retordre, je pense. Je pense au sous-boss de la fin qui est vraiment très très frustrant. Je sais pas combien de vies j'ai perdu dans ce boss. Alors il n'y a pas de crédit infini, il n'y a que 4 crédits je crois maximum. Je dis je crois,
parce que j'ai réussi à le terminer sans perdre de crédit. Et là, franchement, c'est une prouesse. Attention. Et j'ai vraiment l'impression que les tout premiers niveaux sont plus difficiles que les derniers. Voilà, alors je sais pas si c'est parce qu'on prend bien la maniabilité en main, parce qu'on est plus dans le jeu. Mais au début, on a vraiment, vraiment du mal à se plonger dans le jeu avec sa maniabilité, excusez-moi, un petit peu difficile à prendre en main. Alors je vais vous montrer le niveau 2 et après je vais quitter et vous montrer un petit peu le mode Lionheart. Alors voilà, on se trouve dans la ville avec des séquences de plateforme là un petit peu casse-bonbon. Voilà, il faut sauter au bon moment. Et ce niveau, il est vraiment... En fait, ce niveau, il est vraiment difficile comparé à tout le reste du jeu parce qu'il y a vraiment des séquences plateforme avec les pierres qui se retournent tout le temps. Il faut sauter au bon moment, il faut bien savoir par où aller. Hop. Oh là là. Ah, j'ai horreur de ces... Ah, j'avais oublié ça. J'ai horreur de ces carrés qui tournent. Alors là, tiens. Ah, j'ai jamais été par là. Tiens. Je vais essayer un truc. Attendez que je dise pas de conneries. Je vais essayer de traverser. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Ah super. Ah bah j'avais pas découvert ça au début. 3 vies carrément quoi. Alors là pour retourner de l'autre côté ça va être du sport. Oh là là. Voilà, là, donc là on peut s'accrocher partout. C'est génial ce jeu, je vous le conseille fortement, c'est une grosse claque. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que la plupart des développeurs, donc comme je le disais tout à l'heure, se sont tournés vers la Super Nintendo. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du jeu, dans les crédits, on peut voir bonne chance pour ton projet Super Nintendo, pour ton projet Targa. Donc ceux qui ont conçu ce jeu ont fait un jeu sur Super NES qui s'appelle Targa. Qui ensuite s'est appelé... Là je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que ça s'appelle Lethal Enforcement. Voilà, que j'ai envie de vous tester, parce que je l'ai testé un petit peu et franchement elle est bien. Et donc dans les crédits on peut voir, oui n'abuse pas trop de l'effet mode 7, ne fais pas trop ton malin en mettant plein d'effets sur ta Super NES. Donc c'est vrai, c'est voilà quoi, c'est bon enfant, c'est très bon esprit. Et voilà, ça c'est à Lyon. Par contre, Rainbow Hearts, qui a fait pas mal de jeux Super Nintendo, a provoqué une véritable polémique à l'époque pour les fans de l'Amiga. Il y avait vraiment des... Qu'est-ce que je peux dire dans les magazines. Bon, moi je lisais le CU Amiga. Donc là, je vais arrêter. Je vais mettre... Voilà, je vais quitter. Il y avait le CU Amiga, c'était le magazine que je lisais à l'époque. Il y avait des lettres de fans qui disaient « Ouais, ceux qui vont sur Super Nintendo, c'est pour avoir de l'argent. » J'ai dit la Super Nintendo parce que il n'y a pas beaucoup de jeux Amiga sur Mega Drive. Il y en a quelques-uns qui sont bâclés, voilà, je dois l'avouer. Et sur Super Nintendo, la plupart des jeux sortent de développeurs issus du monde de l'Amiga. Donc je pense à Turrican, Chaos Engine et plein d'autres. Donc là où vous voyez, c'est le premier niveau en mode Lionheart, et là déjà, le level design a complètement changé, il y a plusieurs ennemis. Je commence qu'avec 3 cœurs, les ennemis sont plus rapides aussi. Alors là, je ne vous promets même pas de passer le premier niveau, hein, tellement c'est difficile. Voilà, là, il faut déjà taper plus fort. Enfin, plus fort, il faut taper plus. Taper plus pour tuer plus. Non! Là j'ai eu chaud. Vous voyez là les pics tout à l'heure c'était pas là. Les fleurs c'était pas là non plus. Ah, il faut taper 3 fois. C'est pas demain que je vais y arriver hein, ce mode. Parce que connaissant déjà les niveaux suivants, j'ose même pas imaginer les fourberies que les développeurs ont pu mettre. Attention ici, cet ennemi-là, il n'était pas là non plus.
Là. Je vais pas aller au passage secret, tant pis. Oh là là là, il n'y avait pas ça non plus tout à l'heure. Attention, hop. Je vais quand même tenter de récupérer une potion. Il n'y a pas de potion. Merde, il y avait une potion là tout à l'heure. Je crois. J'en suis plus sûr. Attention, la pique. Hop. Oh là là, quel con. Attention, concentration. Petite phase de plateforme, pas trop difficile. Voilà. Non. Aïe 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 aïe, non, non, je veux pas perdre. Je ne veux pas perdre, je refuse. Je veux aller là-haut. En fait, je veux aller là-haut pour récupérer. Oh mais putain. Connard. Bon, j'ai quand même envie de vous montrer ce qui se passe dans le mode Lionheart, c'est que les niveaux ne terminent pas au même endroit que dans le niveau normal. Attention. Bon tant pis, je vais le faire avec deux cœurs. Parce que là je ne connais pas par cœur le niveau. Oh là là, comment je fais pour passer là? Là on peut aller. Ah voilà. On peut aller jusqu'à la taille. Hein. L'eau. Ah je vais quand même essayer de récupérer la potion là-haut. Non, 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 j'y arriverai pas. Oh là là. Voilà, j'ai que 3 crédits en plus. Bon, bah je vous montrerai pas ça aujourd'hui. Voilà, tant pis. Je vais quand même vous montrer d'autres environnements. Donc attendez, je vais quand même charger une sauvegarde. Voilà. Un petit safe state. Alors attendez, hein. Que je fasse pas de bêtises. C'est là, l'autre state. Alors je suis... Ah voilà, donc là je suis sur un bateau, donc je vais pas vous montrer ça. Attendez, load state. Voilà. Où est-ce que je suis là? Ah bah je vais vous montrer un boss, tiens. Mais quelques secondes, hein, pas plus. Ah oui, fallait que je vous montre ce boss, oui. Parce que j'ai regardé un test. Monsieur Vaseline. Et ce monstre, en fait, il est dans Adventure of Lomax. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au monstre dans Adventure of Lomax avec ses deux bâtons. Là. Parce qu'il faut se mettre au milieu, il faut taper dans son entrejambe, en feu. Et voilà, ça m'a fait vraiment rappeler The Misadventure of Lomax. Oh là là, je ne sais plus. Parce qu'il y a Flink aussi, je fais toujours... Non, c'est Adventure... Je sais plus. Désolé, c'est Lomax quoi. Il y a Lomax et Flink, je fais toujours la gaffe. Enfin, voilà, je confonds toujours les deux au niveau du titre. Donc ça m'a fait rappeler Lomax. Voilà, tout simplement, ce boss n'est pas trop difficile. Voilà, il faut juste se mettre. Voilà, je l'ai battu. Ouais, super. Bon, je vous montrerai pas la suite. C'était Lion Earth sur Amiga en 93. Grosse claque pour l'époque. Et je vous remercie d'avoir regardé ce test. Salut à tous. Ciao.